ça serait d'inscrire une véritable stratégie de reconquête des haies qui soit globale et qui permette d'agir sur deux leviers, donc retrouver un bon état écologique des haies, donc c'est vraiment à l'échelle de la haie, retrouver des haies larges, fonctionnelles, qui permettent de rendre tous les services écosystémiques qu'on attend. Donc ça, il faudra agir avec la gestion durable, donc déployer massivement la gestion durable sur tout le territoire français auprès des agriculteurs et des collectivités. Et puis un deuxième levier d'action, ça serait de restaurer la maille de haies, la maille arborée, bocagère, pour qu'elle soit fonctionnelle, donc avec des densités de haies qui soient autour de 110 mètres linéaires de haies par hectare. Donc ça veut dire en termes d'objectifs, avoir restauré au moins 70% des linéaires de haies, le capital existant en France à 2030, avoir replanté, implanté 50 000 km de haies à 2030 également, et avoir stoppé surtout l'érosion des haies, donc qui aujourd'hui s'élève à 23 500 km de haies, donc ça a doublé depuis 2017. Donc c'est vraiment travailler sur la maille fonctionnelle, donc à l'échelle du paysage, et à la fois sur le bon état écologique des haies. Donc la FAC Agroforesterie, c'est un réseau national de structures qui agissent localement dans les territoires, donc auprès des gestionnaires de haies, que sont les agriculteurs, les collectivités, mais aussi d'autres acteurs qui vont permettre de réaliser un vrai maillage d'action autour de la haie dans les territoires. Donc on a aujourd'hui un réseau de plus de 400 structures adhérentes qui accompagnent au quotidien pour restaurer, gérer durablement, implanter et valoriser la haie dans les territoires. On agit aussi au niveau national auprès des politiques publiques pour une meilleure intégration de la haie dans les différents enjeux, donc que ce soit carbone, eau, climat, biodiversité et restauration des écosystèmes. Et là, c'est vraiment important aussi que la priorité soit donnée sur la valorisation économique des haies, la gestion durable, puis la plantation. Aujourd'hui, la priorité et les enjeux sont inversés, donc il faut vraiment prendre les choses à l'endroit, en commençant par une valorisation économique qui permettra que l'agriculteur retrouve un intérêt durable aux haies, à leur maintien et à leur restauration. Alors le plan haie ou le pacte en faveur de la haie, c'est un tournant historique pour la haie. C'est la première fois qu'on a une politique nationale d'une telle envergure sur la haie, donc nous on s'en réjouit. Mais effectivement, donc cette année avec le PLF, il y a une annonce d'une réduction du budget de plus de 72%. Donc c'est vraiment un décrochage et une perte de l'ambition visée à 2030. Donc il y a un enjeu à pouvoir maintenir le budget à 110 millions d'euros ou alors au moins à l'augmenter à 50 millions d'euros. Donc ça serait très important pour permettre de maintenir les emplois et les embauches qui ont eu lieu dans les différentes structures d'accompagnement. Et avec ce budget, reprioriser le fléchage des financements sur l'animation pour permettre l'accompagnement à la gestion durable des haies pour répondre à cet enjeu de restauration du linéaire existant. Et puis également sur la valorisation économique et le développement des filières dans les territoires, parce que là aussi, si on n'a pas d'intérêt économique, tout ce qu'on aura créé autour de la haie risque de retomber. Les subventions publiques ne seront plus là. Donc il y a vraiment un enjeu de pouvoir développer cette valorisation économique et puis s'appuyer sur des outils aussi de garantie qui permettent de valoriser vraiment l'action et une montée en compétence des structures. Et avoir une garantie de résultat, donc le label E en fait partie, végétal local également. Donc le label E, ça garantit la gestion durable des haies et une valorisation économique, éthique et durable.